En prélude de l'élection du président de la mutuelle de l'université Omar Bongo, qui aura lieu ce samedi 22 janvier 2022, plusieurs présidents d'associations estudiantines, à l'instar de Franck Matundu, président de la Ligue estudiantine de droits de l'homme, a tenu à promouvoir son plan de société. En tant que tête de liste, la Ligue estudiantine est un mouvement qui existe depuis 2012, qui a fait beaucoup de mouvements, notamment... qui a milité pour qu'on puisse avoir l'annulation du critère d'âge pour la bourse, l'attribution et les conditions d'obtention de la bourse. La Ligue estudiantine des droits de l'homme a milité ici dans cette université, et j'étais à l'époque le vice-président, pour la hausse des frais d'écolage et d'inscription à l'université Omar Bongo. La Ligue estudiantine des droits de l'homme a toujours pris position pour toutes les formes d'injustice à l'endroit de l'étudiant. J'invite les étudiants, notamment les délégués de l'Assemblée générale, élus, à voter la liste Ligue estudiantine des droits de l'homme, dont je suis le tête de liste avec les autres membres ici, le 22 janvier 2022, pour que notre projet puisse triompher, qui s'intitule « La modernisation de l'université ». Tous ensemble pour l'autodétermination de l'étudiant. Linel Migenda donne son intérêt à suivre la Ligue estudiantine des droits de l'homme. Ce qui m'a motivé à suivre le mouvement de la Ligue, qui défend les droits de l'homme. Et concernant la question des droits de l'homme, je me suis vu là-dedans, d'où se trouve mon implication aujourd'hui dans cette association. Rappelons que c'est avec confiance que Franck Matundu invite les délégués à voter massivement pour la Ligue estudiantine des droits de l'homme.